Je vous reprends, bonjour à tous, mercredi, remise quand même de mes émotions, bien que fatiguée contre coup je pense. Alors, la télé est installée, du coup j'ai pas vlogué à la suite hier, j'avais pas envie, donc on a installé la télé. Si vous vous souvenez bien, je me décale, ça c'était la télé avec la taille avant, et je vous montre comment c'est maintenant. Voilà, donc c'est quand même, on est d'accord, beaucoup plus grand. Ma lampe, j'ai essayé, mais c'est vrai que ça fait tout rikiki, donc je la mettrai pas là. Ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, je vais être sur deux choses. Déjà les courses que j'ai pas pu faire hier, donc là j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Je vous ferai peut-être un retour de course, ça fait super longtemps. Enfin, encore une fois, s'il y a des choses intéressantes. Mais j'ai dans l'optique de changer la déco. Ça fait un moment que je vous ai dit, notamment dans ce meuble. Attendez, c'est le bordel. Celui-ci, attendez, hop, là. Ça ne rime à rien, ça ressemble à rien, il y a trop d'éléments. Et le meuble est très beau, mais il n'est pas mis en avant. Nous avons donc cette map monde, que j'avais eu d'ailleurs à la Maison du Monde, qui est très belle, que je vais très certainement mettre là-dedans, et ma superbe. Ah, je l'adore. Ma petite lampe, je vais trouver également un autre emplacement. Voilà, donc là, je fais la nouvelle déco. Et ensuite, je m'en vais, et cette fois-ci, je me plante pas. Quelle heure il est? 2h30, histoire de payer à la 18h, ce serait bien. Alors, je l'ai carrément déplacée. Elle était comme ça, en biais, je l'ai mise vraiment face. J'ai enlevé tous les éléments, enfin, je la nettoie, et regardez un peu. Parce que le but, c'est d'épurer, de faire vraiment le tri. Il y avait trop de choses. Moi, ça ne me gêne pas d'avoir plusieurs univers de couleurs, mais il faut que ce soit un minimum harmonieux. Donc voilà où j'en suis. De loin, il y en a un. Ça, c'est le premier élément que je vais mettre, il va être central parce que les autres, ça ne passe pas, c'est trop petit. Mais je pense que ce sera plus joli ici quand même. Il me reste tout ça que je ne mettrai pas. Et ça donne ça. Je suis pas certaine que vous vous rendiez bien compte, c'est beaucoup épuré. Alors j'ai un doute, mais sur le tableau, c'est mon frère qui l'a peint. J'ai jamais su si c'était un homme ou une femme d'ailleurs. Cette paire de fesses, il est magnifique. Il est très très beau, mais moi j'aime bien. Je trouve que... Si, moi je trouve très beau ici. Étage par étage. Voilà. Comme ceci. Et ma petite lampe que j'aime tant, peut-être ici, mais j'ai pas de prise multiple. C'était soit ici, ou ici à la place de la map monde. Peut-être. Je suis partie de la maison tout à l'heure pour aller à Leclerc, il pleuvait pas, donc je me dis bah, je veux pas mettre mon manteau capuche. Je sors, il pleut. Et en plus, j'ai oublié les sacs, donc tout est là comme ça en vrac. C'est formidable. Je vous montrerai, j'ai trouvé des trucs sympas. Bon, me voilà rentrée. Je vais vous montrer, mais comme d'hab, j'installe tout, comme ça c'est plus rapide. Et je vous montre, je t'ai trouvé le pyjama. Alors attends. C'est 100% coton bio, mais il y a de la couleur. Mais c'est 100% coton. Je vais chercher ce coton pour pas que ça le gratte. C'est bien. Il est bien, hein? Il est à 100% coton? Ouais, et c'est bio et tout. C'est bio. Non, mais bon, écoute, c'est bien. Donc tu le mets pas ce soir, hein? Enfin, je vais le laver d'abord. Oh, il est très très bien. Il est haut et bleu marine. Allez, au lavage. Le meilleur truc du monde, c'est ça. De quoi? Ah, le coca? Ouais. Alors, dans la partie yaourt, laitage et compagnie, j'ai craqué. Alors, c'est même pas pour moi, ça. Je sais qu'il adore ça. Ça, c'est pour moi, par contre. Forêt noire. Je pense pas que ça va valoir la vraie forêt noire que tu trouves en pâtisserie. Ah, parce que la forêt noire fait partie de mes gâteaux dans mon top 3. Hein. J'adore ça. Ça, je ne connais pas, mais ça m'a donné envie. Des donuts choco-noisette. Et en plus, ça va. C'est pas catastrophique. Bon, j'ai pris ça, j'en ai repris un. Donc à chaque fois, c'est entre deux. Celui-là, il est très très bien aussi, cette biphase. Et là, attention, regardez-moi ça. J'ai craqué sur cette ombre L'Oréal. Déjà d'une, la couleur, magnifique. Ça peut être très joli. Et surtout, qu'est-ce qui m'a plu? Ah oui, c'est une ombre à base d'huile. Comme souvent, ça m'irrite un peu les particules. Donc, à voir comment ça va être. Je me suis repris un eyeliner qui vient, c'est un L'Oréal Perfect Slim, je ne connais pas du tout, parce que j'en ai eu un dans une box, mais figurez-vous qu'il a déjà séché au bout de 3 fois, donc je suis dégoûtée. Et j'ai pris un nouveau mascara, les miens sont, soit j'en ai donné autour de moi, et du coup j'en ai plus, c'est l'Ultimate Mascara de chez, L'Oréal. Donc je vais essayer tout ça, j'ai hâte surtout l'ombre à paupières demain.
Ensuite, bon, du blanc d'Inde, pas mal noté, j'en ai pris 8 parce que le midi j'en mange beaucoup, ça je l'utilise dans tout. Des œufs parce que j'ai bien envie de faire des crêpes bientôt, la mâche pour avec les pizzas, des nems, ça c'est pour lui, ce dos de cabillaud, je le reprends à chaque fois parce que c'est une merveille, il est excellent et puis c'est vrai que je trouve que c'est original avec tout ce qui est pistache, amandes et compagnie. Nous avons pris 100 poubelles, ça c'est pour le tri des... comment ça s'appelle ? Bouteille plastique, tartine jaquée pour le matin, regardez, c'est A, Nutri-Score. Ça, il a voulu des andouillettes, moi ça me dit rien du tout. Son taboulé boulé, Barilla Pipé Régate, les meilleurs. Je lui ai pris sa briquette fondante et du pain pour le matin. Voilà pour mon retour de course. Je vais ranger après, mais d'abord, regardez. Est-ce que c'est mignonnette avec, parce que du coup, il m'a mis la prise multiple. Ça rend super bien, c'est cosy. J'aime beaucoup. Très, très bien. Allez, maintenant, je vais tout ranger. J'ai pris également ces deux plats Weight Watchers. C'est super bon et il y avait une promo dessus. Regardez, très bon, très bien noté et c'est vraiment excellent. Tu peux sortir, mon bébé, s'il te plaît. Descends. C'est plus fort que lui, il faut qu'il inspecte tout, tout, tout. Ça va, c'est bon, allez. La dernière fois, j'avais été chez Action, donc il y a 3-4 jours, je crois. J'avais acheté des sacs poubelles. Alors, tout n'est pas bon à acheter chez Action. Et les sacs poubelles, c'est de la merde. Ils se déchirent tous, tous, tous. Je comprends pas le concept. En fait, tu tires dessus et ils se cassent en deux. Donc voilà, j'étais obligée d'en acheter chez Leclerc. Et ceux-là sont très bien, avec lien coulissant. Je vais vous le swatcher avant de le monter. J'ai enlevé l'autocollant. La teinte, c'est le commandeur satin. Voilà. Allez. Regardez. Ouh. Alors, attention. Demain, je le porte, hein, par contre. 1, 2, 3. Waouh. Ah, il est beau. Très, très beau. À voir maintenant si ça ne me fait pas une petite réaction. Parce que plus ça va, moi je les supporte, les fards. C'est assez embêtant. Et pendant que je suis dans les tests, regardez celui-là comme il est beau. Wow. Je vais vous montrer la pointe de l'eyeliner. Attention. J'aime bien. Ah, il baverait pas un peu. Non, c'est parce que j'ai mis du démaquillant pour le truc avant. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Est-ce qu'on se serait pas un peu démaquillé ? Un peu. Et j'ai testé là ce que je vous ai montré, l'ombre à paupières, j'ai pas pu résister avant de me démaquiller. J'en ai mis juste comme ça, j'ai fait un tracé. Bon, là, je l'ai enlevé. Hein. Magnifique! Je vous fais un super make-up demain. Très très beau make-up. Je vais me tenter ça avec les cils et tout. Et je crois que ça va me motiver s'il fait beau. Je fais des photos parce que l'autre fois, hein, la séance photo, c'était pas une réussite. Hein, entre nous, c'était pas top. Mais je vais réitérer. Et là, ça va être pizza. Je t'entends, Eric. Hein. Je te vois pas, mais je t'entends. Et bah la mienne, elle a l'air formidable. Ça, c'est bon, ça fait vraiment la vraie pizza. Celle-là, je l'aime moins. C'est Eric qui va la manger. Je les adorais et j'aime plus. C'est celle au thon. Et je vais me faire avec, évidemment, un petit coup de mâche. Et bah elle est très sympa, cette télé. Hein. On a fait tous les réglages. Quand je vous dis qu'il est complètement fou de ce plaid. Voilà. Vous êtes toute la soirée, mais tu sais que c'est la place, maman, dès qu'elle a fini de manger, c'est sa place, hein. Ben oui, mon toto. Oh, je me rends pas compte si vous voyez. Bon, ben évidemment, il est plus tard, hein, il est 23h. J'ai envie de monter, bouquiner. Baume à lèvres, indispensable, matin, midi, midi, soir. Alors, vous avez compris. Et quand je me réveille, mes lèvres, elles sont encore très, très hydratées, j'adore ça. Ouais, j'avais envie de monter pour bouquiner, déjà, essentiellement. Déjà montré, c'est vraiment le début, la présentation des personnages et tout. Comme je vous disais tout à l'heure, le programme de demain, alors ça sera évidemment en fonction du temps. Voilà, enfin, je me lave les cheveux et j'arrête pas de me laver les cheveux beaucoup plus qu'avant pour que ça dégorge vite, mais plus je les lave et plus ils graissent. Avant, je les lavais deux fois par semaine, une à deux fois par semaine, ils graissaient pas aussi vite et là c'est genre tous les deux jours. Oui, je vous disais donc faire un shooting photo vu que. Il y a de fortes chances, après je ne sais rien, qu'on soit confiné genre strict, sévère comme au printemps dernier. Auquel cas, bah là, tu ne pourras plus sortir, il n'y aura plus de photos à faire, enfin de shooting. Donc demain, je vais me tenter ça. Voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait ? L'image est bizarre. Ce vlog, je pense,
que vous êtes en train de regarder, il est petit par rapport à d'habitude, mais voilà, c'est une petite journée. Bon, bah écoutez, je vous fais un gros, gros bisou. Je vais bouquiner et après, dodo. Allez, salut. Merci d'être autant fidèle à mes vlogs. Team Rouge. Allez, bisous, salut.